Ouais, donc là je vais vous montrer comment brancher un récepteur TGY IA6B avec le mesureur de tension TGY CV1001 et mettre les alarmes sur la télécommande. Donc dans un premier temps, il faut binder, enfin appareiller le récepteur avec la radio. Donc je branche ce canal 3. Alors le moins vers le bas. Je choisis un canal sur la radio qui n'est pas utilisé. Là, je ne l'ai pas pris en compte. J'éteins la radio. Donc là maintenant, je vais brancher le récepteur avec le câble de mine. On voit que le récepteur il clignote et j'allume la radio en appuyant sur le bouton bind. Donc là, il me dit que il a bien muté la radio et on voit que la LED est fixe. Voilà. Toc. Là maintenant, je débranche la batterie. Je branche maintenant le capteur de tension. Alors, c'est ici en haut. Le noir vers moi. J'allume la radio et je branche. Voilà, maintenant on voit que il y a en plus affiché externe V1, V2 à moins 0,24 volts. Donc j'ai une alimentation stabilisée. Je vais faire varier la tension. Là, on voit que il lit la tension que j'envoie pour l'alimentation stabilisée. Alors maintenant, pour mettre les alarmes, il faut aller sur RX Setup, Sensor List. Là, on voit que on a bien les trois senseurs. Donc l'internal V1, c'est la tension du récepteur, de l'émetteur. External V2, c'est la tension mesurée de la batterie. Et le TX, c'est la tension du récepteur. Donc là maintenant, on va choisir sensor. Donc sur le 1, je mets external V2, je fais cancel pour valider. Et là, on va sur RX Setup de nouveau. Sur RX batterie, il ne faut pas choisir internal sensor, il faut choisir external sensor. Alors là, naturellement, elle se met en alarme parce qu'on est trop bas au niveau tension. Donc si je monte la tension, je fais cancel pour valider. Hein, et on voit que external sensor est à 5,67. Donc en fait, pour modifier les valeurs de tension pour la batterie,
ici, sur I, pour une 3S par exemple, je vais mettre volts. En alarme, je vais mettre 9,6 volts. Et en low, je vais mettre 9,7. Alors là, elle se met à bipper parce que l'intention n'est pas bonne, naturellement. Donc là, je mets 9 volts. On valide. Et on regarde sous l'affichage. Donc là, on a 5,66. Donc je monte la tension. Voilà, là on a 13,2. Naturellement, c'est pas bon. Voilà, là on a à peu près une tension normale. Là, 9,23, elle se met à biper. Si je monte au-dessus, là, il n'y a plus de bip. Donc l'alarme est bonne. Et si je descends en dessous de 9,7, ça bipe un peu. Et si je descends encore plus bas, là, ça met vraiment en alarme. Voilà, maintenant, vous savez comment régler l'alarme sur le TGY I6 avec les standard sensors.